Good morning, Anne Eden. Le tutoir aujourd'hui, les refouats à Rabbi Yosef Chaim ben Emma Simcha. Betoch Shav Chole Israël. Si vous souhaitez aussi dédicacer une étude de Mishnah, une prochaine étude, contactez les 5 minutes éternelles. Et nous étudions aujourd'hui Baba Metzia Perek Dalet Mishnah Vav. Ad Matay Mutar Lachzir, Bakakim, Ad Kedesh Yar'eh la Shulchani. Ou Bakfarim, Ad Arbe Shabbatot. Im Ayam Akira. אפילו לאחר 12 חודש מקבלה אמנו ואינו עליו אלא תרעומת ונותנה למעשר שני ואינו חושש שאינו אלא נפש רעה. On continue les lois de Onaa, l'escroquerie, lorsque l'on vend un produit plus cher et donc que l'acheteur, le vendeur arnaque l'acheteur, ou bien lorsqu'on vend un produit moins cher, cette fois-ci c'est l'acheteur qui réussit tellement à faire baisser le prix au point où il trompe le vendeur et il lui fait descendre un prix. Alors, pour rappel d'abord, on va faire une petite synthèse très courte. Dans la Mishnah Gimel et Dalet, on parlait de l'escroquerie lorsqu'on vend un objet. Et on apprenait là-bas deux points importants. C'était le pourcentage à partir de quand considère-t-on une escroquerie que l'on peut partir réclamer. On avait donc la limite qui était fixée à un sixième. On avait rapporté un avis qui disait un tiers. Mais bon, on va se contenter pour le moment de retenir la lacha. Un sixième, on avait appris les trois intervalles. Moins qu'un sixième, plus qu'un sixième. Et le sixième lui-même, il y avait des halachot bien spécifiques. On avait appris tout ça déjà. Ensuite, on avait appris qu'on a un temps donné pour se retourner et partir voir. Disons, si c'est un acheteur, alors intense, mais un temps donné pour que l'acheteur puisse repartir voir le vendeur et réclamer l'escroquerie. Mais s'il laisse passer plus de temps, alors on va considérer qu'il lui a pardonné ce petit supplément. Ça, c'était pour les objets. Ensuite, hier, dans la Mishnah Hei, cette fois-ci, on a commencé à entamer l'escroquerie dans les pièces. Et on va refaire un petit point pour expliquer un problème un petit peu complexe qu'il y a dans les pièces. Vraiment, je le dis, je suis désolé, je ne suis pas clair. J'ai déjà étudié ces Gemarot il y a plusieurs années déjà. J'avais même essayé de faire des recherches Wikipédia pour essayer de mieux comprendre comment marchaient les monnaies à l'époque. Ça sort des Gemarot, je vais vous expliquer le problème que j'ai. Il est clair que les monnaies d'époque avaient un pesant d'or, un pesant d'argent. Lorsqu'on avait par exemple une pièce qui valait 10 shekels, alors on savait qu'il y avait une valeur d'argent en elle. Mais une chose de sûre, c'est comme ça que ça sort, ça va être même, vous allez vous-même le voir dans cette même Mishnah. Il n'y a pas concrètement une vraie valeur de 10 shekels d'argent. Il y avait un petit peu moins, disons, ça, il y avait l'équivalent de 7 shekels d'argent. Et à part ça, puisqu'il y avait le poinçon, alors c'était admis comme quelque chose qui valait 10 shekels. Je ne suis pas capable de donner des chiffres, c'est-à-dire que je suis flou sur cette quantité-là, sur cette différence de combien exactement. Une chose de sûre, c'est, je vais vous expliquer là où je vais en venir. Une chose de sûre, c'est que si je prends une rondelle identique à la pièce de 10 shekels, une rondelle d'argent, alors cet argent-là ne coûte pas 10 shekels. Ça, c'est sûr et certain. Ça, vous allez vous-même le voir déjà dans la Mishnah, c'est même pas la peine d'étudier la Gemara. Déjà, de la Mishnah, ça va être forcé qu'il y a une différence. Quand on va expliquer la Mishnah selon Barthénois qui va rapporter la Gemara, vous allez vous-même le voir. Que dans le pesant d'argent, il n'y avait pas concrètement réellement 10 shekels, il y avait moins que ça. Mais il y avait malgré tout une valeur proche de 10 shekels, et ajouté au poinçon, au tibua, à l'effigie, je sais pas ce que ça s'appelle, ouais, quand il y avait l'effigie qui était l'effigie du roi, ou du royaume, qui était mis sur cette pièce, alors maintenant cette pièce coûtait, était utilisée comme une pièce de 10 shekels. Ça c'est l'historique, c'est pas encore de la halakha. Et il y avait maintenant quelque chose d'original qui se passait, c'est que cette même pièce, elle se faisait éroder. Au fil du temps, elle tombait, elle prenait un coup, tac, il y avait elle se faisait écorcher ici, elle perdait un petit bout. Et donc la Mishnah d'hier, qu'on avait appris, nous apprenait jusque quand. Et donc, et regardez, on va se retrouver une pièce. Normalement, on va supposer qu'une pièce de 10 shekels est censée peser 3 grammes d'argent. Et il s'avère que la pièce s'est érodée et qu'elle pèse aujourd'hui 2,5 grammes. Et bien la pièce, elle continue à être utilisée comme une pièce de 10 shekels. Et on va même se retrouver avec une pièce qui s'est faite éroder beaucoup plus que ça. Et elle va continuer à être utilisée comme une pièce de 10 shekels. La Mishnah d'hier maintenant nous disait, à partir de quand sommes-nous en droit de nous retourner chez celui qui nous a donné cette pièce pour lui dire, à partir de quelle quantité, pour lui dire, je suis pas d'accord de recevoir une pièce pareille, tu m'as arnaqué. On avait dit que tu allais me donner 10 pièces de 10 shekels. C'est quoi cette pièce de 10 shekels? Elle est toute maigre.
Là, tu l'as, elle s'est fait frotter de tous les côtés, elle a des petits bouts qui lui sont tombés, c'est pas dit chez elle, d'accord? Et donc, elle va avoir un besoin d'argent, ça on en parlera quand on arrive dans la fin de la Mishnah. La Mishnah d'hier, maintenant, s'intéressait à nous donner les coefficients, d'accord, les barèmes, à partir de quand, de quel poids considère-t-on que c'est un poids conséquent? Il y avait plusieurs avis, un sixième, un douzième, un vingt-quatrième, là, l'arrêt était fixé, un sixième. D'accord? Jusqu'à un sixième, c'était le dernier avis. On avait le fameux tableau Saddam Podovev, pour vous rappeler. Dans notre Mishnah maintenant, on va aborder en parallèle, comme ce qu'on avait fait avec la ona des objets, maintenant on fait la ona des pièces. Une fois que tu m'as dit la quantité, le barème, à partir de quand on considère que c'est une ona, maintenant on va s'intéresser au temps. Combien de temps a-t-on pour se retourner et repartir voir celui qui nous a donné la pièce pour lui réclamer la différence? Et le temps ne sera pas le même, on le fait directement dans la mémoire, on explique pourquoi. Admatai mutar lehachazir. Jusque quand peut-on rendre la pièce reçue, demander à ce que celui qui nous l'a donnée nous la change. Donc on parle des pièces cette fois-ci, pas comme dans la Mishnah Gimel, où là-bas on parlait de Admatai mutar lehachazir. Et on parlait cette fois-ci, enfin, là-bas aussi il y avait la phrase Admatai mutar lehachazir, mais là-bas on parlait des objets, attention ne vous trompez pas. Là-bas on parle des objets que l'on vend, et cette fois-ci on parle des pièces. Donc jusque quand peut-on restituer une pièce qu'on a reçue? Bakerakim, Adkedeshéar et la Shulchanim, dans les villes fortifiées, c'est-à-dire les grandes villes qui étaient importantes. À l'époque, une grande ville, elle était forcément fortifiée. Il y avait là-bas des gens aisés qui y vivaient, et donc on pouvait construire des remparts, comme ça on ne se faisait pas agressé par les différents barbares cosaques qui pouvaient débarquer et tout piller. Alors que, par opposition au Kfarim, les petits villages, là-bas, il y avait là-bas des petits paysans qui avaient le tiers-monde, le tiers-état plutôt, et ils n'avaient pas tellement de moyens, donc ils vivaient tant bien que mal, et de temps en temps, il y avait les gros barbares qui venaient et qui pillaient tout. D'accord. C'est ce qui fait la différence. Donc quand on parle de Kfarim dans la Torah, en général, dans le chasse, c'est qu'on parle en réalité des grandes villes, et Kfarim, c'est des petits villages. Il y a beaucoup moins de monde. Et donc la Mishnah nous donne deux temps, nous fixe deux limites. Bakrakim, dans les grandes villes, Adkedeshéar et la Shulchani. Le temps requis pour partir la montrer au Shulchani, pour traduire comme le banquier, c'est en réalité le bureau de change, de monnaie. Donc, et par contre, Bakfarim, Adarvé Shabbatot. Par contre, dans les villages, c'est jusqu'à la veille du Shabbat. On explique. Il y a deux temps qui sont donnés. Pour les objets, on apprenait qu'on avait le temps de le montrer à un proche. Cette fois-ci, pour des pièces, on ne parle plus de montrer à un proche, parce qu'une pièce, pour différencier ce qu'une pièce, elle est bonne ou pas bonne, c'est plus votre frère, cousin, voisin qui va vous le dire, mais il faut un expert, quelqu'un qui sait différencier les pièces, d'accord, qui s'y connaît bien, donc il faut un expert. Cette fois-ci, donc on a un peu plus de temps. C'est pas le temps de montrer à son proche, le temps de rentrer chez soi à la maison et de montrer à son frère, à sa femme. Mais c'est un peu plus de temps, c'est le temps de montrer, de croiser le Shulchani. Disons tous les jours, tous les deux jours, ça nous arrive, donc on a plus de temps. Je ne sais pas donner de quantité de temps, mais en tout cas, on a plus de temps. Ça, c'est bien pour les Krakim, où là-bas, il y a des banquiers, des bureaux de change. Par contre, dans les Kfarim, dans les petits villages, il n'y a pas de banquier. Alors dans ce cas-là, c'est quoi? Il faut forcément attendre Adarvé Shabbatot, jusqu'à la veille du Shabbat. Le vendredi matin, on va partir faire toutes les courses du Shabbat. C'est la dernière limite, en tout cas. Les retardataires, ils vont le vendredi matin acheter leurs courses, et alors là, il va vouloir dépenser sa pièce, et si on ne l'accepte pas, seulement là, il pourra savoir que la pièce elle est mauvaise, et donc se retourner et partir chez celui qui l'a donné la pièce pour lui demander de la lui changer. D'accord? Et on a aussi, entre parenthèses, on a déjà donc expliqué la différence. Pourquoi cette fois-ci, la limite de temps est différente de celle des objets? Pour la simple raison, donc, que pour différencier une pièce, il faut être beaucoup plus expert, donc ça ne dépend pas du voisin. Ensuite, la Mishnah entame maintenant une halakha. On continue, on le fait dans les mots. Imaya Makira. Si maintenant, on va supposer, on va, à titre indicatif, on parlait d'un vendeur qui a donné une pièce. D'accord? Histoire de faciliter la lecture. Imaya Makira maintenant. Donc si ce vendeur, maintenant, le pauvre acheteur qui a reçu cette pièce trouée comme un gruyère, lui renvoie la pièce, il revient avec la pièce au-delà de la limite donnée. Il revient la semaine d'après, 10 jours après. Alors la Mishnah nous enseigne, regardez, il y a une phrase pas claire, et il va falloir la couper et l'interpréter autrement. Imaya Makira, si le vendeur reconnaît cette pièce,
Il se souvient qu'elle avait, en fait, elle avait un coup de cette forme sur le coin. Et donc, l'acheteur revient avec cette pièce et lui dit « Ah, j'ai démontré, désolé, je suis revenu trop tard, mais en tout cas, c'est la pièce que tu m'as donnée. » Et en fait, elle est beaucoup trop maigre. Elle a trop perdu de poids. D'accord ? Donc, Imayamakira, s'il la reconnaît, le vendeur, « Afilo le'achar shnemasar chodesh mekabla emenu » Même s'il revient l'autre, après 12 mois, après un an, il débarque avec cette pièce, mais le vendeur la reconnaît. « Mekabla emenu » Il devra recevoir cette pièce. « Ve'en lo alav elatar omet » Et il n'aura que le droit de grogner. On verra cette expression plusieurs fois. Mais pour le moment, on se contente de comprendre cette phrase. Elle contredit tout simplement ce qu'il avait écrit précédemment. Dans la Mishnah, au début de la Mishnah, tu m'as appris qu'il y avait une limite de temps à partir de laquelle on pouvait plus se retourner. Et puis après, tu me dis que non, mais s'il la reconnaît, il a le droit, il devra malgré tout la recevoir. En réalité, je dis tout de suite le pshat de la Mishnah, de la Gemara, il faut couper la phrase en deux. S'il la reconnaît, et rajouter des mots. S'il la reconnaît, si c'est quelqu'un de bon, un chassid, oui, quelqu'un, un chassid, quelqu'un qui veut bien faire dans la vie, alors dans ce cas-là, même après 12 mois, il devrait être honnête avec lui-même et se dire finalement, si je l'ai arnaqué, le pauvre gars, il n'y a pas de raison qu'il va rester avec sa perte, c'est moi le fautif, même si finalement, il y a quelqu'un aussi qui a fauté envers moi. Parce que moi, ma pièce, c'est pas moi qui l'ai croquée, c'est quelqu'un qui me l'a donnée, puis je l'ai fait rouler jusqu'à chez lui. Mais malgré tout, moi, en tout cas, j'ai été la dernière charnière, je dois être honnête avec moi-même, je ferai bien, Béné Elohim va Adam, devant Hachem et devant les hommes, de rendre, de récupérer cette pièce et de lui donner une autre pièce. Qu'Hachem y remplisse mon manque, qu'est-ce que je peux faire? En tout cas, si c'est quelqu'un qui veut bien faire, il n'est pas obligé, comme ce qu'on a promis dans la Mishnah. Et s'il n'est pas chassid, il n'est pas quelqu'un qui veut bien faire, mais il veut en rester selon la loi stricte, il lui dit, écoute mon pote, la prochaine fois, quand t'as un problème comme ça, reviens vite, une semaine, comme ça, moi j'ai le temps de me retourner et de repartir chercher, essayer de rentrer dans mes comptes et me souvenir, c'est qui m'a donné cette pièce pour repartir le voir. Tu débarques un an après avec, je considère qu'en fait tu m'as pardonné déjà. Et dans ce cas-là, l'autre, l'acheteur, n'aura que le droit de grogner et de se plaindre. Il n'aura que le droit de râler, d'accord ? C'est original, on expliquera qu'est-ce qu'elle signifie cette phrase quand on arrivera dans le Perek Vav. Ça apparaîtra plusieurs fois, alors on expliquera la profondeur. D'accord, je préfère pas m'éparpiller pour le moment. Donc, on récapitule pour le moment les halakhot. On a appris que lorsqu'on se retrouve avec une pièce qui était trop maigre, alors on a une limite qui nous est donnée dans la Mishnah, un petit peu plus longue, séparée selon les grandes villes ou selon les petits villages. On laisse plus de temps au village pour réaliser qu'on s'est fait avoir en ressortant une mauvaise pièce. Et au-delà de cette limite, celui qui a reçu la pièce n'a plus le droit de restituer. Il a quand même le droit de grogner. Si maintenant, le vendeur est un bon juif qui veut bien faire et qui ne va pas se soucier à vouloir chopiner des petits centimes par-ci par-là, histoire de devenir plus riche comme ça, mais il va être comme ça, fier et confiant en Hachem qui ne va pas perdre, alors là, il fera Bémet mieux de récupérer cette pièce et de la lui restituer. Mais s'il ne veut pas, malgré tout, la loi fixe ne lui impose pas de récupérer cette pièce, parce que c'est l'autre qui a été fautif, qui ne lui a pas ramené cette pièce, en temps et en heure. D'accord ? Voilà jusque-là pour la Mishnah. Maintenant, on va entamer la dernière phrase de la Mishnah, et on va d'abord la faire dans les mots, et après, on introduit toutes les notions nécessaires, après on l'explique. Venotna le maaser sheni ve'eno choshesh she'eno ela nefesh ra'a. Et il a le droit de donner, je traduis les mots, il a le droit de donner cette pièce pour le maaser sheni ve'eno choshesh, il n'a pas rien à craindre, aucun problème. She'eno ela nefesh ra'a, parce que il n'est qu'une personne de mauvaise foi. C'est pas vraiment le bon mot de mauvaise foi, c'est juste quelqu'un de mauvais. On comprend rien à cette phrase, vous inquiétez pas. On va l'expliquer. Pour le moment, il faut une première petite introduction, d'abord très générale. Les halakhot du Maaser Sheni. C'est quoi le Maaser Sheni ? Maaser Sheni, c'est un... Lorsqu'on a une récolte agricole, donc, la Torah nous impose. Tu prélèves d'abord la tourma, un centième, un cinquantième, un quarantième, un soixantième. D'accord ?
tu donnes un cinquantième, on va fixer un cinquantième, tu donnes un cinquantième au Cohen. Ensuite, après avoir donné un cinquantième au Cohen, tu dois donner un dixième au Lévi. D'accord ? On va prendre donc sur 100 kilos, tu donnes d'abord 2 kilos au Cohen. Après, sur les 98 restants, tu donnes 9,8 au Lévi. Ensuite, sur les... je suis fatigué pour faire le calcul, mais non, ça va vers 88,8, je crois, quelque chose comme ça. D'accord ? Ça a l'air. On a donné pour le moment 9,8 plus 2, ça fait 11,8. Et le compte est bon, donc 88,2. Sur les 88,2 qui te restent, tu vas donner maintenant 8 kilos, 88, je crois que je suis en train de compter. Bon, c'est pas grave, d'accord, vous m'avez compris. D'accord, donc maintenant, sur les 88 restants, plus ou moins, vous donnez maintenant un nouveau dixième, et donc 8 kilos 8, vous les donnez au Maaser Sheni. C'est quoi le Maaser Sheni? Maaser Sheni, c'est la Torah qui m'impose que dans les années de Shemitah 1, 2, 4, 5, c'est sur un cycle de 7 ans. La 7e année, c'est toujours la Shemitah, l'année de Jachère. Donc, sur le cycle de 7 ans, on va se retrouver avec la première année, deuxième année, quatrième année et cinquième année, où il faudra prélever un deuxième maaser, un deuxième dixième, donc 8,8 kilos sur ma récolte annuelle, et prendre ces fruits et les monter à Jérusalem, lorsque je vais monter pour les fêtes, et les consommer là-bas, à Jérusalem. Moi-même, j'invite tout le monde à ma table, si je veux. En tout cas, c'est moi-même, j'ai pas l'obligation de le donner à quelqu'un d'autre. Et maintenant, vous imaginez bien que quelqu'un qui a une très grosse production aura du mal à monter avec ses 450 000 kilos de pommes à Jérusalem. Et même s'il monte, qu'est-ce qu'il va en faire? Ton mari va pouvoir manger des pommes. Alors la Torah a donné une solution simple. Tu vas transférer la kdusha, la sainteté des fruits, tu la transfères sur une pièce et tu montes à Jérusalem. Et là-bas, tu fais le bogos. Tu dépenses et tu donnes à manger à tout ce que tu rencontres sur ta route. Tu invites tout le monde à ta table. Et comme ça, c'est très chaleureux. Ça met plein d'ambiance à Jérusalem. D'accord? C'est très général. Ça s'appelle le chiloul. On est mechalel. La traduction du mot mechalel, ça veut dire profaner. Mais en réalité, c'est pas. On profane pas. On transfère la gdoucha des fruits sur une pièce. On prend cette pièce, on la monte à Jérusalem. Maintenant, il y a des halakhot strictes sur cette pièce. L'une de ces halakhot, c'est qu'elle doit forcément être une matbea. Il faut une pièce tamponnée avec effigie, pas un bout d'argent. Supposons que vous avez un bout d'argent, un lingot, je crois que c'est tamponné, je ne sais pas quel statut ça a, donc d'abord, de l'argent à l'état brut, 40 grammes qui doit coûter aucune idée, j'en sais rien, on va jeter un chiffre, 500 shekels. Ben, vous ne pouvez pas transférer la gdoucha sur la valeur de ce bout d'argent. D'accord ? Il faut forcément en faire une pièce. On peut être mechalel que sur une pièce. Il y a des halakhot strictes. Qu'est-ce qu'on appelle une pièce? Il faut qu'il y ait une effigie qui soit, qui circule, être dans le pays. Il y a des halakhot bien claires. On en parle beaucoup dans Messia, dans ce Perek ici. C'est aussi lié à Maseret, Maaser Sheni. C'est aussi une Maseret dans la chasse. D'accord? Donc, je dois transférer la gdoucha sur une pièce. Question. Supposons maintenant que j'ai une pièce. Comme ce qu'on est en train de parler dans ces Mishnayot, manquante. Il lui manque un bout. Est-ce qu'on considère que c'est encore une pièce qui vaut certes moins ou pas? Je vous explique la Mishnah comme elle est expliquée selon le Barthénora. Il y a en réalité une énorme discussion. Mais pour le moment, on retient ces avis-là. C'est comme ça que la halakha est fixée, je pense. Ça a l'air, quoi. Donc, cette pièce maintenant, il lui manque, selon tous les avis, elle a un problème, il lui manque un sixième. C'était, disons, une pièce de 12. Shekel, qui a son poids d'argent, et il lui manque maintenant plus qu'un sixième, elle est tombée maintenant à 10 shekels, 9,5, 10 shekels, ça fait, il lui manque un sixième. C'est déjà, shtout, un sixième, on a le droit normalement de restituer la pièce. Question, est-ce qu'on a le droit sur cette pièce de transférer la gdoucha des fruits sur la valeur de la pièce? Il lui manque un sixième, d'accord? Alors, il lui manque un sixième, elle vaut plus 12. Puisque maintenant, elle ne peut plus circuler comme une pièce de 12. Mais elle s'appelle quand même une pièce. Elle s'appelle quand même une pièce. Elle a un tampon. Et elle aura une valeur de 10. Alors, c'est vrai que cette même pièce, elle n'existe pas. Parce que dans le marché, on a des Slaïr, Sela, Dinar, Pundion, Issar, tous les noms bizarres qu'on avait appris, qu'on avait rapportés hier, d'accord? Et donc, il n'y a pas de pièce qui a un tel poids d'argent. Mais objectivement parlant, il y a ici une pièce qui a une valeur et qui quand même peut quand même être pris
proportionnellement à son poids? Ou bien est-ce qu'on va considérer cette pièce comme un simple... Cette pièce aussi, elle a un problème. C'est qu'il y a les gens, les vendeurs refusent de la recevoir même au prix de 10 shekels. Si vous partez avec eux pour la vendre, pour acheter, ils vont dire non, 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 c'est plus une pièce. Les vendeurs, c'est comme ça qu'ils se conduisent en général. Ils vont dire c'est plus une pièce, je ne l'accepte pas. Tu veux que je la prenne? Donne-la-moi pour 8 shekels, pour son pesant d'or, son pesant d'argent. On déduit de là, entre parenthèses, ce que je vous ai introduit tout à l'heure, que le pesant d'argent est inférieur à la valeur de la pièce. C'est de là que c'est obligé de le dire, donc j'ai un problème. Si vous voulez, faites de l'historique, et quand vous arrivez à des données claires, ben, envoyez-moi un petit mail ou laissez sur YouTube une moda. Non, je ne lis pas tellement YouTube, alors envoyez-moi un mail, ça m'arrangera beaucoup. J'aimerais bien comprendre comment ça s'est passé toute cette histoire. Je me rappelle quand j'étudiais ces sous-guillotes il y a 7-8 ans, plus ou moins, comme ça, j'avais vraiment essayé d'éclaircir et j'avais ouvert chercher plein de sites et tout ça. J'ai rien trouvé de concret, quoi. En tout cas, comme ça ressort de la Gemara, que si on apprend en pesant d'argent ou en pesant d'or, elle est inférieure, elle est plus proportionnelle à la valeur qu'elle avait initialement. C'est-à-dire, s'il y avait, quand elle valait 12 shekels, parce qu'elle avait un certain poids, et que maintenant on lui enlevait un sixième, alors, en valeur, elle devrait valoir 10 shekels, mais concrètement, les gens la prennent pour son pesant d'or, et ils vont la prendre que à 8 shekels, 7 shekels, plus ou moins. D'accord ? C'est ce qui sort de la Mishnah. La Mishnah nous enseigne maintenant. Venotna le maaser sheni. Tu as le droit de la donner en maaser sheni selon sa valeur. Elle a perdu un sixième. Alors considère que c'est plus 12, c'est devenu 10. Venochoshesh, t'as rien à craindre. Même si concrètement, il y aura un problème. Tu vas te retrouver à Yerushalayim. Tu vas partir ensuite avec cette pièce à Jérusalem pour acheter des fruits. Personne ne va vouloir la prendre en nom de 10 shekels. En tant que 10 shekels, ils vont la prendre en tant que 8 shekels, 7 shekels. Comme si c'était un vulgaire bout d'argent, mais pas comme une pièce. La Mishnah nous dit, c'est peu ton problème, c'est lui qui est un mauvais, c'est le vendeur qui sera mauvais. She'eno ela nefesh ra'a, c'est quelqu'un de radin. Nefesh ra'a, c'est comme nefesh rechava dans le Pirkei Avot. Comme ça, il rapporte aussi le Tiferet Israël là-bas, ici dit, She'mishenu lo tro beshovio, eno rak kamtsan, c'est un kamtsan, c'est un radin. C'est quelqu'un qui est trop près de ses sous, qui ne veut pas la prendre comme une pièce, il a trop peur de se faire avoir, il est trop calculateur. Voilà. C'est lui le problème. Mais toi, t'as rien à craindre, t'as le droit de la donner en tant que tel. On a fini la Mishnah Baruch Hashem. J'en suis très content, parce que je vous promets que c'était pas du tout évident ni à étudier, ni à comprendre, comme vous devez sûrement le remarquer. Et maintenant, on fait le Bartenura, Bakrachim. Bakrachim, on avait vu dans les Krachim. C'est quoi les Krachim? C'est les villes fortifiées. Chez Yesham Shulchani, qu'est-ce que c'est spécial? Il y a là-bas des banquets. Ad Kedesh Yare la Shulchani, donc on lui laisse le temps requis pour partir voir le Shulchani. Le banquier. Bakfarim, She'en Sham Shulchani. Par contre, dans les Kfarim, dans les villages, il n'y a pas là-bas de Shulchani, donc de banquier. Adarve Shabbatot, jusqu'à l'éveil de Shabbat, Shebal aussi, Averev Shabbat, les Soudat Shabbat. Lorsqu'il va aller pour la dépenser en l'honneur de Shabbat, Az Yedaim Yuchal aussi Averev Kabloua Mimeno. Ce sera seulement là qu'il pourra savoir est-ce que cette pièce est encore bonne ou est-ce qu'elle a été rendue inapte. Veimayamakira, donc on avait parlé du vendeur avec la phrase bizarre, Pessus, sur le fait que d'un côté tu me dis tu la récupères, et puis en plus tu me dis mais malgré tout il aura le droit de grogner. Alors le Bartenor nous explique, Achika Amar, comme ça il faut lire. Veim Chassidu, si c'est quelqu'un, si le vendeur par exemple, qui a donné la pièce initialement, c'est quelqu'un de bon, généreux, tzadik. Verotzela sot l'ifni mishuratadin, il veut faire quelque chose de l'ifni mishuratadin, quelque chose au-delà de ce qui lui est imposé, et qu'il a raison de le faire, c'est très bien. Et makir sheyasela shenatanlo, s'il reconnaît que c'est effectivement la pièce de un sela qu'il lui avait donné, et kabelena mimenu, afilo la harash kamasa chodesh, il pourra la recevoir de lui-même après 12 mois. Ve enlo ala velata romet. Donc on avait vu, il n'aura que le droit de grogner. Afrika Amar, c'est comme ça qu'il faut lire la phrase. Ve Acher et une autre personne chez Eno Chassid qui ne veut pas bien faire et la recevoir. Ve Loratza le Kabla Mimeno. Et il n'a pas voulu la recevoir. En les e Alav et la Taromet, celui qui a reçu la pièce initialement, qui se retrouve maintenant en train de manger cette pièce au gruyère, trouée. D'accord. En les e Alav et la Taromet, il n'a que le droit de grogner. Je vous le dis tout de suite, ce qu'on apprendra, c'est que même grogner, il faut avoir le droit de le faire. C'est pas évident de grogner sur quelqu'un. Mais ça, on en parlera quand on aura l'occasion. Car c'est lui
le nier, bête, brel, qui s'est pas dépêché de rapporter cette pièce. C'est lui qui s'est mis dans ce pétrin maintenant de perdre son argent. Qui s'est pas soucié de rapporter vite la pièce. Maintenant, c'est beaucoup trop tard. Et on avait vu dans la fin de la Mishnah qu'il a le droit de donner une pièce Maaser Sheni. Regardez. On parle d'une pièce qui est manque déjà, qui manque beaucoup. Et il manque plus qu'un sixième, par exemple, sur la saison la. Il lui manque beaucoup. Il pourra malgré tout la donner au Maaser Sheni. Regardez. Beshovia. Selon ce qu'elle vaut. Pas la valeur de 1 c'est là. Mais un sixième en moins, ou ce qu'elle vaut en moins. Veno chochesh mishum asimon. Et il n'a pas lieu de craindre que aujourd'hui les gens ne l'acceptent plus comme une pièce, et donc elle prend un statut de asimon. Asimon, c'était un jeton. Vous vous rappelez, on avait déjà évoqué le cas, un jeton qui n'était pas encore tamponné par l'effigie. Un vulgaire bout d'argent. Sheen maaser sheni mitralel ela bematbea sheyesh botzura. Car le maaser, il y a une halakha que le maaser sheni ne peut être transféré, la position du maaser sheni, que sur une pièce qui est un matbea sheyesh botzura, une vraie pièce de monnaie courante sheyesh botzura, sur laquelle il y a une effigie. De shem matbea yesh alea. Car en l'occurrence ici, même si la pièce est manquante, elle a encore son statut de matbea. Des Mishenolokra Beshovia Betorat Matbea, car un vendeur qui refuse de la prendre Beshovia sur sa valeur proportionnelle en tant que pièce de monnaie, Enoela Kela comme un Nasra Shel Kesef, mais qui décide plutôt de la prendre comme un Nasra Shel Kesef, comme un vulgaire bout d'argent, un lingot, mais un lingot pas poinçonné, d'accord. Enoela Nefeshra, c'est qu'une personne pas sympathique, pas fair play, radine. Selon comme il dit sur Israël, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain, Kol Tov, c'est là.